Américains l'ont fait. Pourquoi on tenterait pas le coup, nous aussi? Tu veux sérieusement tester Trump au féminin? Bah, on a quand même bien rigolé pendant 4 ans, non? Ouais. Coucou. Oui, c'est qui? C'est la Suisse. Ah, les voisins, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Je viens parler de l'impasse où vous vous trouvez. L'impasse par rapport aux retraites, à la politique climatique, aux déficits budgétaires? Quelle impasse? Celle du second tour de la présidentielle. Ah oui, celle-là. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans la merde depuis quelques années. Et on n'y peut rien. La démocratie, c'est la démocratie. C'est le peuple qui décide. Ben non, chez vous, c'est le président qui décide. Disons qu'il partage tout de même le pouvoir avec l'Assemblée nationale et le Sénat, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Au fond, c'est vrai, chez nous, le président a presque les pleins pouvoirs. Mais c'est comme ça, on aime les hommes forts, avec une bonne grosse paire de couilles à poser sur la table. Ou une femme! Alors il faut qu'elle soit cassante, méchante et méprisante. Bref, que ce soit un mec. En somme, tous les 5 ans, vous élisez un roi. Un roi qu'ensuite on décapite. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on a un peu de peine à décapiter. Quand un mauvais roi est en place, il y a quelqu'un de bien pire qui se présente en face. Et donc, pour empêcher le pays de sombrer dans le chaos, on est obligé de faire ça. Regardez. Bah, pourquoi vous me montrez un barrage? C'est ce qu'on appelle une métaphore. Celle du vote contre. Contre la montée du fascisme. Comment vous en êtes arrivé là? Eh oh, ça va, on a des fachos comme tout le monde. Vous en avez pas, vous? Si, mais on les dilue. Vous les diluez? Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous collaborez avec eux? Vous pactisez avec le diable? On les force à trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'ils soulèvent. Nous, on préfère les ignorer. Jusqu'à ce qu'ils nous pètent à la gueule tous les 5 ans. Vous donnez les pleins pouvoirs à une seule personne qui forcément en mécontente plein d'autres, votre barrage là, il va finir par se rompre.